Bonjour, bonjour à tous. Bonsoir, me voilà de retour en France. Voilà, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, je suis ravie d'être à nouveau là avec vous, même si le voyage a été magnifique et qu'on a passé une belle semaine entre conseillères. Merci beaucoup, merci, bonjour. Coucou Marie, bonjour Dominique, bonjour Béatrice. Merci, je vais bien, je vais super bien. On est content d'être rentrés, un peu fatiguée, j'avoue, mais voilà, ça fait plaisir de vous revoir. Si, si, le retour est dur. Le décalage horaire, mais bon, voilà. Après, il vaut mieux se remettre tout de suite dans l'activité parce que sinon, on est un peu perdu par les décalages. Bonjour à tous. En tout cas, merci d'être là ce soir. Et donc, voilà, vous avez vu les belles photos. On a passé vraiment des jours magnifiques. Il faisait beau, il faisait très chaud. Il finit le séjour, mais oui, mais oui. Mais bon, voilà, c'est aussi bien de revenir à la maison et je suis contente d'être avec vous. Merci, oui, c'est gentil. Oh, le décalage horaire, ça va. On a pu dormir dans l'avion, donc ça va. Mais bon, voilà. Après, c'est toujours compliqué quand on atterrit. Il faut reprendre le fil, on reprend avec le linge, avec les cartons et le travail du quotidien. Mais voilà, très contente du voyage et très contente d'être de retour avec vous. Donc, merci, c'est gentil Véronique. Donc alors là, du coup, on va faire un petit sablé ce soir qu'on va garnir avec une crème pâtissière à la mascarpone et des fraises. Donc j'ai déjà commencé par faire une première fournée. Merci pour le partage, merci, c'est gentil. On va déjà les démouler, donc ceux-là ils sortent du four depuis 10 minutes. On va déjà les démouler et on va réutiliser donc le moule. Salut Cathy. Oh ben génial Dominique, super. Donc là j'ai un nouveau moule qui n'est disponible que par la plateforme conseillère, hein, donc vous ne pouvez pas encore le commander sur la boutique, mais donc à partir du mois prochain, il sera également disponible sur la boutique. Ceci dit, si vous fait envie, n'hésitez pas à me le dire, je vous le commanderai avec grand plaisir. Hein. Voilà, donc là, nous avons ici un petit sablé breton, donc nous allons garnir avec une crème pâtissière. Et comme il y a des fraises hein, donc, qui viennent d'arriver sur nos étals, hein, de belles fraises françaises, autant les utiliser parce que ça, c'est vraiment génial quand c'est rempli comme ça de soleil. Hein. Donc là, merci, c'est gentil Marie-Christine. Là, nous avons ici un beau petit sablé. Vous voyez, il a une belle hauteur. Et donc, on met ça de côté. Et on va déjà commencer par faire la pâte. Comme c'est exactement la même recette, je ne vais pas laver le moule puisque, en fait, finalement, je vais mettre exactement la même chose dedans. Oui, Josie, je suis de retour. On est arrivé hier fin d'après-midi. Avec plein d'étoiles dans les yeux et plein de souvenirs hein, donc qui nous réchauffent le cœur, mais c'était vraiment magnifique. Voilà, donc là nous allons prendre un beurre pommade. Je vous remettrai la recette, je vais la taper tout à l'heure et je vous mettrai la recette donc directement en ligne. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas encore donc le système des recettes et comment ça se passe, donc toutes les recettes que je fais en live, je les mets sur le club. Mon instant gourmand, nous ne pourrons plus maintenant vous envoyer les recettes par mail, mais vous pouvez vous abonner sur mon compte, à mon compte sur le club Guy de Marle. Je vous remets le lien, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça dès qu'il y a une recette qui arrive, donc vous l'aurez donc directement et vous pouvez créer vos favoris et vous pouvez créer donc vos recettes comme vous en avez envie, par moule et ainsi de suite. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vanessa, bonjour Nadine, bonjour Cécile. En tout cas, je suis ravie, ravie d'être avec vous ce soir.
Donc, on va commencer par travailler donc le beurre pommade et nous allons rajouter donc du sucre. Il y a 90 g de beurre pommade, donc il y a 90 g de sucre. On va rajouter un peu de vanille en poudre, hein, donc la vanille de Papouasie, celle-là je vous en parle systématiquement, elle est juste excellente à utiliser. Et pour rehausser le goût, on va rajouter une petite pincée de sel de Guérande. Oh oui, vous m'avez manqué aussi, hein. Donc vraiment c'est incroyable, parce que c'est vrai que j'ai adoré partager les photos avec vous, mais je n'avais qu'une hâte, c'était de rentrer pour être à nouveau en live avec vous. Ça fait vraiment plaisir, tous les messages. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à tous les messages parce que je n'avais que très peu de réseau. Mais voilà, en tout cas, le peu de réseau que j'avais, c'était pour vous partager un peu ce beau voyage. Donc, on a deux jaunes d'œufs. Je casse l'œuf, je mets le blanc déjà dans un petit bol et je le rajoute dans mon récipient B-Save. Comme ça, finalement, en fait, mes blancs d'œufs ne sont pas perdus. Je vais pouvoir les mettre de côté, les mettre sous vide et faire dans la semaine une autre recette. Oui, de retour du voyage, absolument. Donc là, on a deux jaunes d'œufs. On a donc 90 g de beurre pommade. On a 90 g de sucre. Donc on fait un petit sablé breton. On va rajouter la farine et on va rajouter également un tout petit peu de levure chimique. Merci Armelle, c'est gentil. Voilà, à peu près une demi-cuillère à café. On mélange et on va mettre ça dans la poche à douille et on va remplir nos empreintes. On va le mettre 15 minutes donc à 170 degrés. Pardon. Donc ça, ça va nous donner un petit fond. Donc dans ce moule, dans ce nouveau moule mini Savarin, vous allez pouvoir faire aussi bien des mini aspics, des mini mousses de poisson, des mini cakes salés donc que vous pouvez garnir avec un peu de fromage frais. Donc c'est vraiment génial à l'utilisation parce que tout ce qui est petite amuse-bouche vont pouvoir être mis là-dedans. Hein. Merci beaucoup Florence, merci. Voilà. Donc là, nous allons donc récupérer toute la masse. Donc la seule chose importante, c'est que votre beurre doit vraiment être pommade. Sinon, vous aurez du mal à le passer dans la poche à billes. Hein. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. J'ai même pas perdu la main, non, non, non. Alors, on a super bien mangé, hein, donc c'est vraiment que le Sri Lanka, pour celles qui connaissent, ben vous savez que c'est magnifique. Et pour celles qui ne connaissent pas, vraiment, c'est un endroit à découvrir et la gastronomie, elle est excellente. Donc, on va prendre la poche à douille, on pousse la poche à l'intérieur de la douille pour éviter que ça ne coule. Alors bien sûr, mon sablé ne va pas couler à travers combien de farine. Alors je ne sais plus, je crois que c'est 150 grammes. Mais je vous mettrai tout à l'heure, donc tout de suite la recette en ligne, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc là j'ai un doute, je crois que c'est 150, mais vraiment je ne voudrais pas vous inciter en erreur. Je mettrai la recette en ligne encore ce soir. Hein. Donc, nous avons ici la pâte. Elle va bien sûr pas couler à travers, mais prenez le réflexe de toujours fermer votre poche à douille. Ça vous évitera d'avoir des surprises quand vous allez travailler avec quelque chose qui sera liquide. Voilà. Ici, nous allons prendre notre moule. Notre moule, nous allons le poser systématiquement sur la plaque perforée pour avoir donc une bonne tenue. Vous allez prendre la poche et nous allons garnir. Alors la recette, ce sont des petits sablés bretons avec une crème pâtissière à la mascarpone et on va garnir avec de la fraise. Bonjour Catherine. Donc là, on va prendre la poche.
On va garnir notre empreinte avec notre petit sablé et on va mettre ça au four 15 minutes à 170 degrés. Comme ça, vous aurez un beau sablé bien blond et nous allons pouvoir garnir ça sans aucun problème. Donc là, vous voyez, ma poche, en fait, elle a une grande résistance parce que mon sablé est ferme. Je dois vraiment pousser. Donc, au niveau de la consistance, mais ma poche résiste et ne transpire pas. Hein. Donc, ça, c'est vraiment génial. Voilà, on va là, ici, voilà, garnir et on va mettre au four. Et pendant ce temps, on va déjà garnir ceux qui sont déjà cuits. Donc, la crème pâtissière, je l'ai faite juste avant pour qu'elle refroidisse. Mais une crème pâtissière, c'était deux jaunes avec du sucre, de la maïzena, de la vanille et donc du lait, des jaunes d'œufs. Donc ça, on en a déjà fait souvent. Je pense que vous n'aurez aucun souci pour refaire. On réavance la préparation dans la poche pour ne pas perdre. Et la masse suffit juste pour faire les 30. Et donc là, donc là, on a nos empreintes qui sont remplies. On va mettre ça au four donc pour 15 minutes à 170 degrés. Voilà. Et on va venir prendre ceux qui sont déjà prêts et on va ici les remplir avec la crème. Salut Auriane. Voilà. Donc là, nous avons notre crème pâtissière. Je vais la sortir du réfrigérateur et incorporer la mascarpone. Donc, nous avons ici une crème pâtissière qui est faite avec 250 g de lait et 2 jaunes d'œufs. On a rajouté un tout petit peu de vanille. Et oui, mon éléphant a déjà élu domicile. J'ai ramené un petit éléphant. Un éléphant... pas un vrai, hein, juste un éléphant en bois qui a été fait par des artisans au Sri Lanka et il a déjà trouvé sa petite place. Voilà, donc là, on va mettre 125 g de mascarpone dans notre crème pâtissière. Donc, bien sûr, on va peser et pour ça, je vais utiliser notre balance hein, qui est juste géniale. Pas de souci, Eliane, pas de problème. Tu vas pouvoir regarder en replay, sinon il n'y a pas de souci. Donc là, on va rajouter 125 g de mascarpone. Voilà. De toute manière, le reste de mascarpone sera utilisé. Je n'ai aucun problème avec ça. Merci, Dominique. Et on va mélanger la crème pâtissière avec la mascarpone à l'aide de la spatule. Hein. Donc ça, ça va aller. Très, très bien. On va prendre à nouveau la poche à douille. Eh oui, on est rentré. On va à nouveau prendre la poche à douille. On va garnir et on va rajouter un petit morceau de fraise. Et j'ai déjà de la menthe du jardin qui va superbement bien colorer et aromatiser donc ma préparation. Donc, support de poche à douille, ça c'est vraiment hyper important pour le travail avec la poche parce que pour le remplissage. Ok, merci Ariane. Du coup, vous avez ici donc le support, je ne vais jamais y arriver, hein, ça tu le sais. Et on a la douille que nous allons visser donc dessus. Nous prenons notre poche, on la tourne, on la pousse à l'intérieur de la douille, on prend la poche,
on l'ouvre et on va donc ici la remplir. Puis, déjà active, oui, déjà active, Martine. Voilà. Marino avait envie d'un dessert, donc je ne peux pas m'empêcher de lui faire ce plaisir, bien entendu, vous en doutez bien. Voilà. On va prendre, donc là j'avais démoulé, j'avais posé ma toile de cuisson, la plaque perforée à l'envers sur mon moule et ça m'a permis donc de démouler sans aucun souci. On enlève le nœud dans la poche et là on va venir remplir notre petit sablé. Bien sûr, j'ai largement trop de crème, mais comme j'ai encore une plaque qui va sortir, ça me permettra encore de remplir et en même temps la crème pâtissière avec le mascarpone, c'est pas perdu puisque j'aurai de toute manière encore des fraises. Ah oui, ça lui a manqué, ça c'est sûr, Patricia. Ça c'est sûr. Il a vidé le frigo. Il m'a dit, oh là là, qu'est-ce que c'est bien le B-Save. Il avait plus le reste, plus rien. Voilà. Donc là, j'ai ma poche qui est remplie. Du coup, je peux la poser tête bêche dans le support. Ça ne va pas couler et je peux reprendre en main sans aucun problème. Oui, on a ramené nos costumes. Oui, absolument. C'était un cadeau de notre société. Hein. Donc, Guy de Marle nous a vraiment gâtés. D'ailleurs, j'en profite hein, pour vous redire que lundi soir, nous avons notre café métier. Donc, n'hésitez surtout pas à vous connecter ou à être présent si vous êtes donc sur notre secteur. On va vous expliquer un peu notre métier et vous dire donc comment on fait pour gagner ce nouveau kit, pour gagner des produits ou tout simplement rentrer chez Guy de Marle pour partager votre passion pour les produits, la cuisine, la pâtisserie ou juste être en contact avec les gens finalement. Toutes les raisons sont bonnes à partir du moment où ce sont les vôtres. Salut Régine. Donc là, on va rajouter donc deux petits morceaux de fraises. Voyez comme c'est hyper économique de faire les choses soi-même et comme on a du plaisir à pouvoir les présenter parce que finalement c'est ça aussi, quand on fait soi-même les choses, c'est parce qu'on a envie de partager des bonnes choses et c'est quand même au moment où on passe à table qu'il y a le plus de convivialité hein, et où on partage le plus de choses. Voilà, donc là rien qu'un peu de couleur rouge, un peu de fraîcheur du fruit, ça amène tout de suite quelque chose. Mais oui, Patricia, avec plaisir. Donc là, j'ai toujours mon petit couteau à pâtisserie en main, hein, donc que vous pouvez donc commander. Il est sur la boutique ou directement chez moi. Ça, ce sont des produits que vous allez utiliser tout le temps, aussi bien pour faire de la cuisine que pour faire de la pâtisserie, il n'y a aucun problème. Voilà, donc là on va terminer de garnir, on va positionner un morceau de menthe, hop, et on va mettre ça au réfrigérateur pour tout à l'heure, parce que là ce soir on va se faire plaisir pour le premier barbecue, hein, parce que là vraiment c'est juste génial, la température qu'on a. On va en profiter un peu parce qu'apparemment la semaine prochaine, nous aurons un nouveau froid. Donc il faut vraiment profiter de tous les moments. Voilà, ok. Donc là, on a déjà nos petites fraises qui sont dessus. On va rajouter un tout petit peu de couleur. Et on va donc mettre ça au frais. Alors ce genre de choses, ça ne pose aucun problème.
problème de les préparer en avance. Hein. Si maintenant vous les préparez aujourd'hui pour demain, ben, ça pose aucun souci. Et vous avez toujours le spray brillant qui vous permet de garder la belle brillance sur les fraises. Oui, il va faire froid, oui. Ah ben génial Armel, avec une petite glace. Donc là, on a vidé hier soir le pot de glace à Marina. Oh, qu'est-ce que c'est bon! Alors ça, c'est vraiment une glace à faire au cas où. Voilà. Voilà. À mon avis, il va falloir que je reprenne un peu de mandor. Mais comme elle pousse comme de la mauvaise herbe, hein, on se fait plaisir de garnir ça avec une petite touche verte et en même temps avec les fraises. C'est trop, trop bon parce que ça donne tout de suite un petit goût de frais. Voilà. Pendant que ça termine de cuire, pour vous montrer la finalité donc, de la recette, je vais en profiter pour mettre un avec le pot. Alors, on n'a pas mangé le pot, Armel. On a juste mangé la glace. Mais comment fais-tu pour faire toutes ces bonnes choses et ne pas les manger? Alors, je ne mange pas tout, mais je mange quand même un peu. Alors, ce soir, je vais me faire plaisir parce que finalement, au Sri Lanka, le sucré n'était pas de mise. Hein. Donc, j'ai droit à un peu de rattrapage de sucre. Mais c'est clair qu'il faut quand même faire attention. Alors, tout ce que je fais, on ne le mange pas tout seul. Ça, c'est certain, parce que sinon, on ne passe plus les portes. Mais voilà, là, c'est des petites bouchées. Ça, c'est bien, on se fait plaisir. On ne va pas tous les manger. Je vais en partager, je vous rassure. Est-ce que ça se congèle? Non, non, ça ne se congèle pas, Jasmine. C'est en fait ce genre de choses. Le petit sablé, à la limite, sans être cuit, ça pourrait se congeler. Mais finalement, c'est aussi bien de les manger frais parce que ce sera absolument plus pareil si on congèle. Voilà, voilà. Donc là, hop, parce que j'ai mis de la menthe partout, oui, voilà. Donc là, vous avez de belles couleurs, vous voyez, ça donne vraiment super, super envie. Donc là, vous avez en fait ce nouveau moule, le moule mini savarin, donc qui est, donc mini donuts, pardon, qui est au prix de 46 euros. Hein. Voilà, donc là, on va laisser ça là. Je vous ferai une photo tout à l'heure et je vous rajouterai la recette. Donc, on va préparer parce que finalement, Marino a vidé le frigo et il a bien sûr vidé tous les yaourts. Donc, ça, vous le savez, je vous l'ai déjà souvent dit. Pour lui, le matin, c'est du yaourt soja. Donc, j'ai toujours maintenant du lait à la maison, aussi bien de la brebis que du lait de soja, que du lait de vache. Donc, nous allons vite préparer donc, un yaourt soja. Donc, pour le yaourt soja, on va utiliser les ferments végétaux. Donc, comme bien sûr, il a tout avalé, il ne m'a pas laissé un yaourt de côté pour que je puisse repiquer dedans, ben, je vais recommencer. Il te faut le moule, Yvette. Pas de souci, écoute, je passe une commande ce week-end, n'hésite pas. Donc là, non, mais il est beau, hein. Il est vraiment très, très beau. On a donc deux sachets de ferment parce que je vais faire un litre de lait. Voilà. Et demain matin, quand on va se lever, donc le yaourt sera prêt à être dégusté. Hein? Oui, je sais, Laetitia, c'est ça le problème. Moi, je dis à chaque fois aussi, oh, allez, je ne vais pas reprendre encore une fois un moule. Et finalement, dès qu'il est là, ça fait tellement envie, parce qu'en fait, il nous donne tellement envie avec les recettes qu'ils font, que c'est juste merveilleux. Donc là, j'ai mis une cuillère donc, de sucre glace. Hop, je vais ouvrir ce lait sans m'abîmer les mains. Voilà. On va mettre un peu de lait dans le bol. On va mélanger. Et là, pour Marino, je vais rajouter
de l'extrait de citron parce qu'il aime beaucoup ça. Et donc, vous avez en fait des extraits sur la boutique. Hein. Donc, ça, c'est génial parce qu'il vous faut juste quelques gouttes pour aromatiser à votre convenance. Donc, le sucre, c'est pareil. Hein. On met le sucre qu'on souhaite. On va rajouter le reste du lait. On va mettre dans notre pot en inox. On va le mettre dans la machine. Je vais le mettre pour 12 heures. Et demain matin, le yaourt au soja sera prêt pour le petit déjeuner. Oui, merci beaucoup Nathalie. Merci, merci. J'espère que Marino a allumé le barbecue comme je lui ai demandé. Voilà, on verra tout à l'heure et sinon tant pis, on mangera un peu plus tard. Ce n'est pas grave. Donc ici, vous avez le bol inox, donc la cuve en inox, pardon. Donc on va remplir et on va mettre notre Borealia en route pour 10 heures. Voilà. Et ça, c'est tout ce qu'il faut faire pour faire donc du yaourt. Vous voyez que vraiment, il n'y a aucune difficulté dans cette préparation. Donc là, on allume la Borealia. On va venir prendre la cuve et on va la mettre dans la machine. Il est gâté, en effet, hein, mais il le sait. Donc, du coup, il n'y a aucun problème. Là, on va prendre le couvercle, on va mettre le couvercle, on va le fermer et on va sélectionner le mode yaourt. Je vais tourner la molette et je vais mettre sur 12 heures. J'appuie, je réappuie et là, vous avez une petite phrase qui dit « appuie long pour arrêter ». Et là, maintenant, le temps va se décompter et au bout de 12 heures, mon yaourt soja sera prêt. Merci Régine, à toi aussi un bon week-end. Donc finalement, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et donc, si j'arrive à l'arrêter à temps pour qu'il ne me mange pas tout, je garde donc un yaourt d'environ 100 grammes de côté pour faire à nouveau donc un litre de lait. Oui, Monica, c'est vrai qu'elle est géniale, cette Borealia. Elle est vraiment géniale. Donc là, mon temps est écoulé. Voilà. Hop, je vais vous laisser une petite minute. Voilà. Et je vais les sortir. Alors, combien de grammes de ferment? Donc, j'ai regardé cet après-midi avec une cliente parce qu'elle m'avait posé cette question. En fait, ce sont des doses de 6 grammes à chaque fois. Mais là, c'est vraiment du ferment végétal spécialement pour le lait de soja. Hein. Mais oui, Patty, mais oui. Regarde en replay, je pense que tu as largement autre chose à faire là ce soir que de regarder un live. Voilà. Voilà. On a le plateau ovale en bambou qui est parfait donc pour mettre tout ça dessus. Voilà. Vous voyez, on a tout de suite une de belles couleurs, une belle fraîcheur. Chantal, ce sont des petits sablés à la crème pâtissière et aux fraises. Mais voilà, comme dit avant, je mettrai donc tout à l'heure directement la recette en ligne. Comme ça, vous allez pouvoir la réaliser très rapidement, si vous voulez, même déjà demain ou ce soir. Parce que finalement, en fait, il faut pas grand chose. Il faut du beurre, il faut de la farine, il faut deux jaunes d'œufs et du sucre. Et pour la crème pâtissière, si on n'en a pas, on peut très bien mettre une petite crème au citron ou bien juste une crème chantilly, ça ira très 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 bien. Voilà, en tout cas, merci d'être à nouveau avec moi en live, merci pour tous vos partages et merci, oui, merci Monica, si tu veux faire un détour par là, n'hésite pas, hein. Donc tu n'es pas très très loin, donc je vais vous sortir le petit sablé et vous allez voir donc cette belle belle couleur dorée qu'ils ont. Vous voyez, c'est magnifique. Donc là, on va tout simplement laisser
refroidir un peu. On retire le yaourt aussitôt prêt. Armelle, moi, je vous conseille de laisser toujours un peu au niveau du refroidissement. En fait, ça lui apporte de la fermeté et du coup, quand on le met en pot, ce sera moins souple. Hein. Donc, n'hésitez pas. Moi, personnellement, voilà, maintenant, j'essaye de le faire comme ça en fin d'après-midi. Comme ça, le matin, il est déjà froid. Vous venez toutes les deux, et ben c'est parfait. Il y en aura assez. Bon, ben voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très, très vite. Comme ça, on va pouvoir recommencer nos lives donc de manière très régulière. Bonne soirée à tous et peut-être à demain, j'espère en tout cas. À bientôt !